Hello, this is Rolando Villazón. We are in Florence recording Ercole de Vivaldi with the wonderful conductor Fabio Biondi and his extraordinary orchestra, Europa Galante. I am very happy to have met Fabio Biondi for this project. He's an extraordinary musician, but not only that, he's a wonderful man. And his vision about music and about an opera is not only musical, it's dramatica, which makes his recordings so intense, so rich, so interesting. And so I'm very happy to find myself today in the title role of this beautiful opera by Vivaldi, Ercole. C'est une année particulièrement importante pour nous parce que c'est notre anniversaire de 20 ans. Et c'est la partie plus importante de ma vie artistique. Et donc, je suis particulièrement lié à cette formation. Valentía de Drake, cual solio, dona solo orgoglio, dona solo orgoglio. E a padre su lerra, oña la superba, col braccio mio forte, col mio braccio forte, col mio braccio forte. Vedrà lentia, vedrà che qual solio, dona solo orgoglio, dona solo orgoglio. Vedrà lentia, vedrà che quel sogno dona solo orgoglio, dona solo orgoglio. E a battere sull'erba ogni alma superna quel braccio mio forte, forte, ogni alma superna col braccio mio forte. Caderà se succede quell'armi, se vuoi contrastarmi, vedrà con orrore che indarno al valore s'oppone alla sorte, si oppone. Che indarno al valore s'oppone alla sorte, s'oppone alla sorte. La musique était perdue, chose qui était très frustrante parce qu'on savait qu'à l'époque c'était un grand succès. C'était peut-être un des succès plus importants pour lui. Les airs ont été des airs de succès, donc ils ont été déchirés dans la partition et ils ont été déposés dans les autres bibliothèques. Quand vous commencez à avoir un certain numéro important d'airs, vous pouvez essayer une vraie reconstruction de l'opéra. There's no real history, there's no tradition that we can immediately find on a disc or on an old recording. It's really, we feel as if we're creating it now. That's very thrilling because you know that you're bringing it to life almost for the first time, at least in a modern way, and that's very exciting.
extraordinary. It's a gift to make music like this. I think everything becomes a little bit more intense and a little bit more focused when there's only a handful of people making music. It's one of my favorite things in the world to do. It's thrilling. À l'époque, à Rome, en plus, c'était interdit la présence des femmes dans les opéras. Donc, Ercole était joué à Rome avec que des castrats et des voix d'hommes. On a vraiment voulu appeler des voix très différentes pour recréer une dramaturgie de personnages. Joyce DiDonato fait une partie qui est la partie d'Hippolyte, qui doit être très différente que la partie de Martesia, qui est une jeune fille et qui est chantée par Diana Damrau, qui a une voix extraordinaire et très pure, qui fonctionne très bien pour le rôle de Martesia. It's nice to have a piece untouched. We are as excited performing and working with it, I think, as the listeners will be, because they don't know it. So the expectations are not there, and there are, I think, more surprises possible. Essaye toujours de reproduire un peu la façon de jouer, la façon de penser cette musique à l'époque. On sait bien qu'on est des hommes du 21e siècle. Bon, notre travail est toujours un peu un travail de récupération esthétique du son, de la façon de faire. Tra le spoglie nemiche, questo sol prigioniero a me concedi, sia tu, fermati! Ascolta, a te chieder vorrei anch'io quel sogno per dar pace al mio duomo. Depuis que l'opéra est écrit souvent pour les castrats, le risque est toujours d'avoir que des voix de femmes. Aujourd'hui, on a heureusement une magnifique classe de qualité dans les contre-ténors et Philippe Charouz, qui c'est effectivement un des meilleurs au monde,
Donc c'était quand même magnifique pour moi, et surtout c'était notre première occasion pour faire un disque ensemble. Je chante le personnage d'Alceste dans Ercole, un des rôles que Carestini, le castrat Carestini, a créé quand il était très très jeune. Il participait justement à ces productions de Rome qui étaient fameuses puisqu'il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des castrats. En ce qui concerne le premier air, on a dû beaucoup travailler, notamment, surtout d'ailleurs Fabio, parce que le matériel était perdu, on n'avait que la partie de basse et la partie de chant. Et en fait, Fabio a pensé que sûrement, dans cet opéra, Vivaldi, à un moment donné, a pris le violon ou la viole d'amour, dont il était un des grands virtuoses. Et comme c'est un air qui parle d'amour, il s'est dit pourquoi pas reconstituer une partie de viole d'amour qui dialoguerait avec la voix. Je pense qu'on a trouvé effectivement quelque chose qui respecte, on va dire, cette poésie tout en restant simple. C'est ça qui caractérise, je pense, assez Vivaldi, c'est que de quasi quelques notes, il en fait quelque chose de magique. Et j'ai fait d'être ici, à Florence, pendant une semaine, d'être vraiment immergé dans l'ambiance italienne qui est si caractéristique. Je pense que ça aide beaucoup à trouver des couleurs et des ressources supplémentaires dans le chant. Chanteurs, évidemment, donc on profite de leur qualité musicale. On a quand même invité Vivica Genon, qui chante le rôle d'Antiope, et Romina Basso, qui sont des voix dans la tessiture pareille, mais dans les timbres complètement différentes. La voix très brune de Romina Basso va très bien pour un personnage masculin comme Teseo.
mi sono scoperta abile nel trovare in me stessa le caratteristiche che possono rendere credibile un personaggio maschile cantato da una donna. Quindi mi trovo molto bene, mi trovo molto bene. Frangere l'onda, ma pare d'una sa sponda, d'una sa sponda. Tutto lieve, il mare se ne va, al mare se ne va. Posso immaginare la gioia di far rivivere qualcosa che non si sapeva che esistesse, o comunque fino a qualche anno fa non si sapeva che esistesse, e di portarla all'orecchio delle persone. Ed è come se chi ha scritto questa cosa ti dicesse: vai, vai, porta in giro la cosa che ho scritto io. È una grande missione. On vient d'un grand succès sur scène, donc je suis certain que c'est un opéra qui restera dans la mémoire du public. Mais la chose pour laquelle je suis toujours convaincu que c'est de la musique extraordinaire, c'est qu'on sent une vraie participation émotionnelle de la part de Vivaldi. Et c'est ça qui est très touchant, en fait. Va créer une partition que, si la dramaturgie n'est pas vraiment très excitante, la musique est hyper variée. Et ça aide énormément le plaisir de l'écoute. My name is Vivica Genoux and I'm singing the role of Antiope in this opera Ercole sul Termodonte of Vivaldi. And Antiope is the head of the Amazons and she's a warrior and also a mother, though she has a daughter who in the course of this opera is stolen from her, is kidnapped. In this aria she's saying that she's going to go down to the depths of hell. So it's a very, very fast and very furious aria. It's parlato, it's spoken, it's very spoken, and so it's the first time that I've had the chance of doing an aria like that. For me, when I was preparing it, I was more scenderò, volerò, griderò sulle sponde di tige di lete. And then we get here, it's scenderò, volerò, griderò. And it's, so it was really, really fun. You felt like you're taking off. It was really fun. Thank you.
le sangue e la sete. Sazia, sazia, purché da dite ma stretto. Nuova furia del suo cieco cuore. Vivere sin del mio sangue e la sete. Sazia, purché da dite ma stretto. Sazia, purché da dite ma stretto. Nuova furia del suo cieco cuore. Nuova furia del suo cieco cuore. Scenderò, volerò, brillerò, sulle spalle dei desideri che vedete, risegnando con l'amore che tempi vedete, il cielo da letto nel cuore. Scenderò, volerò, brillerò, sulle spalle dei desideri che vedete,